Subaru, tout un mythe pour les fans de rallye, surtout si on parle d'Impreza. On a essayé ici la version sportive civilisée WRX. Moins tape à l'œil que la STI avec un aileron arrière plus petit, la WRX n'en reste pas moins une voiture quasiment de course. Le pilote, on ne parle pas vraiment de conducteur ici, voit face à lui l'ouverture dans le capot nécessaire pour refroidir le moteur. Déjà tout un programme. Il ne faut pas faire 2 km avant de comprendre que l'on est dans une voiture sportive. Effectivement, les bruits et les accélérations sont à fort potentiel. Le 4 cylindres 2.5 turbo compressé distille 230 chevaux, de quoi réussir un passage de 0 à 100 en 7 secondes et d'atteindre 230 km/h. Le bruit moteur est supportable à rythme légal, mais si on pousse le turbo, on arrive très vite à faire concurrence à l'aéroport voisin. Subaru joue la carte du rallye en proposant une suspension à fort débattement. Résultat, l'Impreza WRX n'a pas peur des trous et des bosses. Elle les avale tranquillement sans gêner les passagers. Un plus indéniable sur nos routes et autoroutes aux nombreuses irrégularités. La transmission intégrale symétrique est le véritable ADN de la marque. Cela donne à notre Subaru un comportement stable et des vitesses en courbe détonantes. Surtout que la direction assistée est agréable et précise. Le sous-virage dominera la glissade, qu'il est facile de contrôler grâce au partage 50-50 du couple, et en sortie de virage, on peut se laisser aller à un survirage maîtrisé. Par contre, les ingénieurs ont fait l'impasse sur la 6ème vitesse. Coup de blues dès lors pour le portefeuille qui voit filer des barils de pétrole avec une consommation dépassant souvent les 12 litres, sans parler des taxes assommantes. On aurait quand même pu bénéficier d'un style moins dépassé. Même si la finition est soignée et de qualité, cela manque de vie. L'équipement n'est pas non plus le point fort de cette japonaise. Déjà qu'il n'y a pas de banquette rabattable. Heureusement, on est bien assis dans les sièges à l'avant comme à l'arrière et la suspension joue bien son rôle pour le confort des passagers. Utilisable au quotidien, la Subaru Impreza WRX peut jouer à la berline, mais elle s'adresse avant tout aux vrais passionnés qui ne manqueront pas parfois de se laisser aller.